Salut, bienvenue à tous sur Colasoft TV, je sais que vous vous portez bien, moi ça va nickel. Je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo grand concert pour la libération de Sidiki Diabaté. Il semblerait que le vent commence enfin à souffler un tout petit peu en faveur de l'artiste déchu, Sidiki Diabaté. De commenter notre vidéo. Likez la vidéo si vous avez aimé. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et activez la cloche de notification pour être au courant de la prochaine vidéo. Aux dernières nouvelles, un grand concert pour la libération du présumé auteur de violences et séquestration sur la personne de Mamazita se prépare. Elle a débuté le samedi 24 octobre 2020 au boulevard de l'Indépendance du Mali. Une tournure qui pourrait finalement s'avérer profitable à Sidiki Diabaté. Une petite lueur d'espoir se profile à l'horizon pour le prince de la Koraki, depuis le début de l'affaire de violence conjugale, n'a fait qu'enchaîner les déchéances. Il faut croire que son message passé récemment depuis la prison, n'est finalement pas tombé dans des oreilles de sourds. En effet, en dépit des nombreuses voix qui s'élèvent contre lui depuis quelques jours et qui le condamnent, certaines lui confèrent, pour l'instant, le bénéfice du doute en attendant son jugement. Et c'est précisément à cette masquette adressée l'invitation à cette grand concert qui a lieu sur le boulevard de l'Indépendance du Mali, samedi passé. L'artiste déshonoré doit cette initiative au label Diabaté Bar Music. Ce dernier a d'ailleurs réussi à rallier quelques partenaires importants à l'événement qui pourrait finalement s'avérer décisif pour l'avenir de l'ex de Mamazita. Afin de s'en assurer, le label a publié, il y a quelques heures, une affiche numérique dans le but de faire la publicité de l'événement et drainer du monde. Certains internautes n'hésitent pas à prendre part à cette communication en la relayant sur les réseaux sociaux. Néanmoins, cet concert pour la libération de Sidiki Diabaté qui profile à l'horizon n'est pas la première à être organisée depuis l'arrestation de l'artiste par la brigade d'investigation judiciaire. Une concert aux attentes élevées qu'il vous souvienne, le chanteur malien avait déjà bénéficié du soutien de ses fans dans l'affaire de violence et séquestration. C'était à l'occasion d'une marche organisée au lendemain de son arrestation. Celle-ci s'était tenue dans le fief du quartier populaire de Sotuba, une localité située dans la région de Bamako. Elle avait connu la participation de plusieurs dizaines de personnes qui n'ont pas hésité à se mobiliser pour réclamer la libération de l'artiste à la renommée planétaire. Cependant, si cette marche n'a pas eu l'effet escompté, les proches et fans de l'artiste qui continuent de le soutenir n'ont pas renoncé pour autant. C'est dans cet état d'esprit que le label Diabaté Bar Music a pris les devants pour organiser un grand concert sur le boulevard de l'Indépendance du Mali. La rédaction espère que cette dernière aura le retentissement escompté le jour J. En attendant, d'en savoir plus sur cet événement, nous vous invitons à rester câblés. Nous vous reviendrons certainement s'il y a du nouveau à ce sujet.